Bon après-midi, mes enfants. Je vous dis, nous pouvons get input and output device. Nous pouvons faire révision dans le livre Helen William. Correct? Livre Helen William. Nous pouvons faire révision. J'espère que vous trouvez tout au moins l'écran. Les corrects, vous devez qu'à suivre. Maintenant, dans Helen William, il est tombé dans chapitre 5. Ok? Input device and output devices. Nous faisons révision. Nous pouvons une question l'examen. Attention à tout. Et qui ben la liste input output devices, ben les enfants ont besoin de connaître d'après votre syllabus. Scanner, scanners, ok, vous devez connaître barcode, QR code, digital camera, keyboard, keypad, pointing devices comme un mouse, microphone, touchscreen, sensors, interactive whiteboard. Et le côté output devices dans votre syllabus qui est là, qui ben output device, printers, qui ben différents printers il y a dans votre syllabus, inkjet, laser, dot matrix, 3D printers, 3D cutters, 2D cutters, actuators, loudspeaker et monitors LCD avec LED et projecteurs. Maintenant, une télévision. Qui est un input device? What is an input device? And any device that allows a computer to receive data from the outside world, it is called an input device. What is an output device? It is a piece of computer hardware, equipment that is used to communicate the result of processing that is carried out by the computer to the user. Bon, maintenant, là, vous trouvez input device, nous avons 2D scanner, 3D scanner. Qui veut dire 2D scanner? Comment dire merci? Ne pas voir cause là, aujourd'hui, nous prenons question l'examen plutôt. 2D scanner, un mot qui est intéressant pour 2D scanner, c'est les labs qui comprennent, les convert hard copy to soft copy. Ok? Et qui ban pièce qui est là, ban component qui est là dans 2D scanner. Il y a un scan head qui move across the document. Il y a lenses, ok? Et il y a une série de miroirs. Et il y a CCD, qui veut dire CCD, charge coupled device, qui est sensitive to light. Correct? Voilà. Et peut servir 2D scanner, read passport automatically. Et il est aussi servi pour facial recognition, to identify passengers. Maintenant, on a 3D scanner. 3D scanner peut servir les enfants. To scan solid object. Qui veut dire solid object? Ben, l'objet en 3 dimensions. 3D image. Et peut servir 3D scanner? Dans lasers, magnetic resonance, X-rays, avec CT scan. Qui veut dire CT? CT veut dire computer tomography scan. Ok, pour produire ben, 3D images. En tomographie, technologie, comment dire merci? Il split an image into a number of thin slices. Et X-ray, comment dire merci? Il servit radio wave et gamma wave. Pour scanner un objet. Et ben, le résultat qu'il a gagné pour ben, l'objet là, le store à des series of digital values, each slide. X-ray, voilà. Et l'exemple des X-ray, c'est CT scan, c'est la computed tomographie. Ok. Nous avons aussi MIR. MIR, il s'appelle radio wave. Et MIR, qui veut dire MIR, veut dire magnetic resonance imaging scan. Et nous avons aussi gamma rays, SPECT, SPECT, veut dire single proton emission computed tomographie. Voilà un petit peu une cause de 2D scanner avec 3D scanners. Qui est dans le syllabus sinon? La note cela, c'est pour Helen William, chief examiner pour Cambridge. J'ai rien pour autant, vous êtes un coup d'œil dans ma note cela. Maintenant, nous causons aussi barcode. Readers. Correct, barcode readers. Barcode readers veut dire ban dark, a series of dark and light lines. Ok, of various thickness. So these are dark and light lines of various thickness. Et chaque line, il représente un digit.
and digit. Each digit or character is represented by a number of lines. Okay, barcode code servi. Barcode servi commonly in supermarket et librairie de cela. Et ça va dark lines là avec light lines. Ils représentent binary values de n et 0. N là c'est dark lines et 0 là c'est light lines. Maintenant, si on a L, voilà. Si on a L, D, L, D. Veut dire L là, il représente light, veut dire 0. Avec D là, représente dark, veut dire N. Veut dire representation of 6 digit system. Par exemple là, pardon. Par exemple là, 0 là, veut dire light, L, et N là représente dark. Voilà. Et barcode, comment on dit, il servit d'un supermarché pour identifier un produit, mais prix là pas garde un barcode. Prix là garde un database. Et le barcode dit seulement un code unique pour identifier le produit là. Ok, mais prix là, il n'y a pas de barcode. Prix là, il y a des tabis. Il y a le computer, le serveur là. Et il route ça, Unicode là, pour identifier le produit là. Et il y a les gains au prix dans sa database. Question ou carrière dans l'examen. Et aussi, barcode servi dans le library system. Pour track ban books, pour les gens qui vivent en France. Ok, ou carrière, question l'avantage de servir barcode. Ou un manager dans supermarché ou bien dans un library. Easier and faster to alter the to identify the item. Dans supermarché, to identify to change the price. Mais prix là passant de barcode, ils sont dans le database. Give instantaneous and comprehensive sales trend. C'est-à-dire automatiquement de toi qui produit peut vendre, combien peut vendre. Qui produit plus vendé, qui produit moins vendé. No need to price each item. Pas nécessaire que le prix de chaque item. Parce que ce barcode finit identifier le produit là et prix là, il finit mettre le serveur là, le database. Il fait automatic stock control. Qui veut dire automatic stock control? Control stock. Qui veut dire control stock? Les OP vendé, il peut diminuer ce stock. Les OP acheté, il peut augmenter ce stock. Et les quantités baissées, les reorder automatique. Les stock control veut dire faire sales, veut dire purchase avec reorder. Et aussi, ça servit pour get qui produit et plus vendu. C'est-à-dire customers buying habits. Bon, l'avantage des services à système barcode là, pour un client. Client qui a l'avantage, il y en a un supermarché qui servit barcode. Faster checkout. C'est-à-dire que tu vas le payer pour ce outil, il est rapide. Et il y a moins de chance for errors. Et ce bill que tu gagnes, tu gagnes itemized bill. Tu veux dire itemized bill. Le bill là, ça qui t'aime, qui se prie, et combien on prend. Et c'est cost saving can be passed on to the customer. Et better tracking of sales, leads, qui a fait vendre, combien vendre et combien vous avez acheté. Maintenant, barcode, comment on get photo là, t'es là là-haut. Voilà, ça c'était un barcode. Voilà. Mais barcode est limité, ce number of digits. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12 ou 13 chiffres. Illimité. De chiffres. Mais un nouveau type de code est sorti qui lire au scanner. Maintenant, ça s'appelle QR. Ok, vous avez remarqué, il y a un petit carré noir et blanc. Et vous avez remarqué dans trois coins 1, 2 et 3 coins, il y a 4 gros squares. Ça, sorry, 3 coins là, il y a un square dans ce coin, corners. Et ça, 3
box là, il servit pour align le barcode ou aux caméras. Si on a un portable, vous pouvez scanner ça QR code là, ça a trois corners là, gros carré là, il servit pour align le barcode, pour centrer. Et QR veut dire quick response code, ok. Et que ne sait, comment nous servit dit, nous servit une caméra pour scanner le smartphone, le tablette. Et les là, nos apps, nos applications QR scanner, il servit sa photo là, il convertit sa photo là en un web link, un website adresse. Et il ouvre website là automatique. Ça, c'est l'avantage. Il y a du monde là, le type web adresse là, un par un, il ouvre automatique. Maintenant, il y a une digital camera, ça aussi, je suppose connaître. Je suppose connaître d'une caméra qui tient photo. Il y a un microprocesseur. Microprocesseur là, il fait un travail automatique. Qui travaille un microprocesseur fait automatique? Pareil que moi, dans le computer, la CPU, la digital caméra et tout dans l'appareil électronique, il y a un microcontroller, microprocesseur qui fait un travail automatique. Mais il y a tout l'appareil qui fait un travail automatique en ayant un microprocesseur, ou aircon, etc. Ou machine lavée. On appelle ça une embedded machine. Une embedded machine, c'est une machine qui a un microprocesseur et un travail automatique. Mais question qu'on regarde dans l'examen. Caméra digitale, ce microprocesseur, qui travaille, il fait. Bon, il adjust your shutter speed. Bon, vous allez vous dire, shutter speed, c'est quoi? Shutter, enfant, il y a une photo, il va dire un rideau, il ouvre, il ferme. Mais dépend de quelle photo vous tirez. Si vous avez un mouvement, il peut bouger. Si pas un loto peut aller, un jumon, le biscuit peut pédaler, il y a un mouvement. Là, il y a un mouvement où shutter speed vient ouvrir et fermer rapidement. C'est-à-dire, pour contrôler le shutter speed, longtemps, votre photographe, tu peux contrôler manuellement. Maintenant, grâce à la caméra digitale, shutter speed est contrôlé automatique par ton microprocesseur. Et comment les contrôler automatique par ton microprocesseur? C'est par le sensor. Le sensor finit d'y aller, hein, l'objet là, ce mouvement qui vitesse. Et par rapport à l'objet qui te fait tirer sur photo, ce mouvement, de pouvoir assister à cette speed pour capable gagner plus bon photo. Maintenant, il y a focusing ici. Focusing est contrôlé par ton microprocesseur de ton digital caméra. Autofocus. Bon, il y a un sensor. Sensor a vu un laser beam, l'objet qui vous tirer photo, et ça reflected light là, vini capture par ton sensor. Et il finit calculer sa distance que l'objet là était. Et ta caméra automatique, il focus le ça l'objet là. C'est-à-dire que la caméra digitale, il fait autofocusing. Et comment il fait autofocusing? Il y a un sensor dans la caméra digitale. Le sensor là, il a lumière l'objet que vous mettez sur photo. Et ça reflected light là, capture. C'est-à-dire que le CRV speed is equal to distance over time. Il vous finit calculer sa distance. Et focusing pour faire automatique. Maintenant, caméra digitale aussi, ce flash, il opère automatique. C'est-à-dire, si la journée il a beaucoup la lumière, ou caméra digitale, pas pour flash, parce qu'il a assez la lumière. Mais s'il y a soir et il fait faire noir, ou caméra digitale, il est capable de flash dim ou bien full, dépendant combien la lumière il a. Ça aussi, il y a un light sensor de la caméra digitale qui détecte qui constate la lumière il a dans l'environnement. Et il peut assister sur flash automatique. Et aperture. Aperture, c'est ouverture quand la lumière rentre dans la caméra. C'est-à-dire, on peut tirer photo et l'objet. La lumière, depuis ça, l'objet là, il rentre dans la caméra. Et sur aperture aussi, vous allez contrôler pour gagner une sharp image et une image sur quality pour bon. Ça aussi, il est contrôlé par ton microprocesseur. Maintenant, dans une caméra digitale, il y a une fonction qui remove red eyes. Qui veut dire red eyes? Il y a un dimanche léger, il y a une photo là, il paraît rouge. Pour en plus, ça l'effet là, le microprocesseur, il servit de filters. Un filters pour capable filtrer, pour en plus, ce léger paraît rouge. Ces microprocesseurs font ce travail là automatique. Mais il y a dans l'examen, il y a une question de microprocesseur, une digital caméra, qui va une fonction de contrôler automatique. Et il y a une caméra, il y a les reduce handshake, c'est-à-dire, la caméra se
positioning, son mouvement. Il n'est pas pour trembler et obtenir une photo. Il empêche ça l'effet là. Voilà. Vous avez une question là. Maintenant, le keyboard, on ne va pas trop causer. J'ai des affaires, je connais que les RSI, répétitive training, jury, etc. Maintenant, moi, vous êtes plus pas une question à l'examen, tiens. Et là, une cause encore bonne chose, je vais dire que c'est la base qui j'ai dit là. Voilà. J'ai une question, le pointing device. Ok, pointing device, c'est supposé qu'on est trackable. C'est trackable. The ball uses the ball on the top side of the device. Il est unable to control the cursor. Ok. Et sur l'avantage, l'NEC avait dit avec précision le capable de contrôler le cursor. Et microphone, quand nous avons un microphone, de speech recognition, voice recognition. Correct. Et comment il fonctionne en un micro qui nous est là, en un micro qui nous est un diaphragme qui les vibrate, les produit un electric signal. Et on peut causer. Il vibrate avec sound wave, il produit un electric signal, et ça, l'électrique signal là, il passe par un ADC, il rentre dans le computer, il save des temps. Right. Maintenant, vous pouvez être en question touchscreen. Il y a trois cartes de touchscreen dans le syllabus. Ok, ce description, je suppose que vous connaissez, ce benefits avec ce drawback. Souvent, des fois, il y a une question là-dedans, la capacitive, mais la infrared et la résistive, il causait beaucoup, beaucoup fort. On finit faire beaucoup beaucoup de questions là-dedans. Mais nous faire des révisions finales, nous pouvons dire qui est capable pour l'examen, vous êtes révisé bien. Voilà. Capacitive, c'est nouveau potable. Un nouveau potable, ce qui se peut servir dans l'autre époque, j'appelle ça capacitive. Je veux dire capacitive, il y a les layers of glass. Et les top layers, les touchly, ils émettent un electric charge. Ok? Et ça, electric charge là, ils capturent the four corners of the screen. It's a benefit, the good, the strong sunlight, the multiple touch, the durable. It can only use with bare fingers. And some stylus with a pen device. Mais le ou la main mouillé ou pas qu'à servir et ou pas qu'à servir avec les dents normalement. Résistive à l'ancien potable dans l'époque aux parents. Bon. Il y a une glace là-haut, il y a un polyester, un plastique. Il y a un PSL, plastique là-haut, tout ce plastique en bas. Il y a un métal au milieu d'eux. Et il y a un microprocesseur qui finit, détermine ce coordonné de coton, tout ça. Et vous pouvez servir avec bare fingers, gloves, stylus, tout. Il est inexpensive. Mais le problème, c'est la visibilité. Le strong sunlight n'est pas bon. Il n'est pas à la multiple touch. Il est vulnerable to scratch. Il est tear and wear. C'est-à-dire. Oui, un tir, sorry. Et j'allais aussi servir l'ISE. Bon, infrarouge uses glass and can either detect by heat and uses infrared sensor. Ok, là où tout cela, c'est infrared beam là, il détecte les cassés, il détecte les. Et un microprocesseur détermine ce coordonné de côté de tout ça. Il allows multi-touch, capable de servir bare fingers, gloves, stylus et les durables. Mais ce problème c'est les serres et les heat sensitive and only allow bare fingers to be used. Bon, ça nous a déjà causé, etc. Maintenant, on fait un petit exposé. Nous avons une question, l'examen qui est relié avec ce chapitre-là maintenant. Voilà, mon cause un petit peu, on fait révision, on montre ça. Ok, on va prendre le passe. Ouais, on va prendre le passe. Bon, il y a un cours qui se peut expliquer, mais nous voyons que l'état fait tout, mais sensors, different types of sensors, light sensor. Oui, oui. Radiant. Bon, là, mon poil, c'est qu'à 11, je pense. Ouais. Bon, on finit le record. Lise, il est qui dans l'autre session, il est capable de faire l'autre session, mais le record, ça, c'est une suivre, car ça, il est plus bonheur. Moi, je record, je vais faire un record. Là, je vais faire ça dans YouTube. Et chaque semaine, mon vidéo dans YouTube, moi j'espère que je peux guetter. Si je peux suivre classe, si je peux suivre classe, je te connais quand tu es arrivé, je peux faire. Si je ne peux pas suivre, je me connais quand tu es arrivé. Correct. Maintenant, mon sensors, différents types de sensors, nous les a causés. Et chaque sensor, ce que tu servis. Maintenant, on cargue une question interactive whiteboard. Qui veut dire un interactive whiteboard? Ça aussi, on cargue une question.
Voilà, interactive whiteboard allows computer images to be displayed using a digital projector. Et they allow users to write on the whiteboard. And the text and images created can be stored in the computer memory. Et an image projected on the screen can be annotated, annotated with a label, or even change the annotation, annotated version, and then can be saved for later use. Maintenant, si vous voulez intéressant, c'est-à-dire votre question, l'examen qui est relié avec ce chapitre, annoté. Et là, capable de vous annoter. Allez. Bon, les états, les common errors qu'ils allaient faire. Cambridge Pédiatoire, les common errors qu'ils allaient faire. Students often confuse voice recognition system avec speech recognition system. Qui différence en voice recognition et qui affaire en qui veut dire speech recognition? De faire confusion. Students, many students are unable to distinguish between monitoring and control. Ils allaient pas connaître qui veut dire monitoring. Qui veut dire control, qui différence in entre monitoring et control. It is important to read and understand the key difference highlighted above. Vous avez checké. Students often claim that sensors control devices rather than just send data to the computer or microprocessor. C'est les pas comprendre qui sensors existent, les ramasse des data, y a voyé dans microprocesseur. Les pas contrôler les. Il ramasse des états, il détecte des états, il envoie dans le microprocesseur. C'est le microprocesseur qui prend la décision, qui peut faire, qui ne peut pas faire. Students also often claim that sensors only send data once. Non, sensor pas send data une seule fois. Sensor li send data continuously. Sensors li continue sending data dans le microprocesseur pour capable prendre la décision. Maintenant, sample questions. Allez, nous avons des questions. Hein. Et je vous répondre. Ok? Allez, ready? Set, go. Ça c'est tout là, ça c'est les vous avez répondre après tout. Il y en a 15 élèves le système là. Allez, Jordan vous prend et là comme ça, chacun se tout vous répondre à ma question là. Chacun get se tout, je ne finirai marquer dans qui l'autre j'étais. Il y a Jordan, il y a Azra, il y a Debi, il y a Dervin, il y a Divesh, il y a Bardou, il y a Bisram, etc. Les, Niga, etc. Chacun connaît l'autre là. Allez, nous commencer. Première question. Ok, première question là encore, il finit d'une réponse tout là. Hein? Mais c'est moi, j'ai l'élève à côté. Hein? Allez, right, on prend la première question. Voilà, on peut cacher cette réponse. Hein? Ok, vous avez une question comme ça dans l'examen. What is the binary value of the section of barcode? On est dans un barcode là. Get premier, li white. Reclaiming black. Okay. White, black, black, ou la divise, qui était comme ça. Et qui code binaire les représenter? Voilà. Ne check ça comme ça, vous la divise, il y a N section, vous ça. Et l'examen, vous comment on travaille, mauvais mot, vous êtes. Et il y a N section, vous êtes rouge là, il y a arrêté N. Ça, N byte ça. Depuis là, à la N deuxième byte. Right. Et depuis là, à la N troisième byte. Je vais suivre. Il y a 3 bytes. Correct. Et là, vous avez qu'on divise la même laser. C'est la même laser. Là, blanc. Allez, white. Vous vous rappelez, monsieur, dire blanc, white, qu'était ça? 0. Comment est-ce la réponse 0? Vous avez trouvé là? Et là, combien noir il y a? Si vous divisez l'espace là égal, il faut la N. Ok. N noir. 2 noir. 3 noir. 4 noir. Et dans ça, l'espace là, il y a 4. Colonne noire. Et sa 4 colonnes noires là, représente 4 N là. Je viens de dire aux enfants, je vais qu'à suivre et les élèves répondent moi. Je vais comprendre là dans l'examen, je vous pose une question comme ça, je vous êtes capable. Répondre. Et comment est-ce que tu étais white là? Il y en a là en bas. Non, on a trop beaucoup. On a trop beaucoup. Là. Allez, check un coup si vous avez compris. Un élève répond, nous vous demandons un élève. Jordan, tu veux écouter moi? Jordan, tu veux écouter? Oui. Attends mon micro. Il a... Oui, Jordan, tu veux écouter? Allô?
Enol rapidement. Allez, As, rap, écoutez. Non, un rap pas là. As. Pire. C'est là là. Allez, un zélé, réponds-moi si vous arrivez à comprendre. Et là, ça, un bite, ça. Ok. Ça, déjà, parce que vous avez aucune question comme ça. Là. Ça, déjà, un bite. Et ça, troisième bite. Correct. Et ça, premier bite de réponse. Ça, déjà, un bite. Voilà. Et ça, troisième bite. Et il nous reprend premier bite là. Tu divises même quand c'était l'espace. Et tu gagnes un white. Ok, si tu divises l'espace, ça paraît là, tu gagnes 4 black. Il y a 4 n. Après ça, tu regagnes white. Voilà, et ça, un white là, il représente ça 0 là. Et tu gagnes black. Voilà, un black. Et ça, un black là, représente n là. J'espère que tu enfin trouver. Maintenant, nous prenons deuxième byte. Deuxième byte qui nous est là. 3 white. Ok, 3 white. Et ça, 3 white là, il représente ça 3 0 là. Ok. Après, il y en a des blacks. Black là représente N. Voilà, ça nous dit black. Voilà, nous dit N là. Après, il y en a encore un white avec un black. Voilà, un white. Et après, c'est un white. Un black. Un white 0. Et N black. Mon français, tu en fais comprendre. Allez, réponds-moi N d'affaire. Jordan, tu bêtes à moi. Allez, Jordan, bêtes à moi là. Non. Après Jordan, c'est là. Allez, Azra, bêtes à moi. Je ne comprends la question là. Ouais, je ne comprends la question là. Qu'a fait dans l'examen? Allez, right, moi continue. Hein. Si vous connaissez qui je peux tendre, ce n'est pas moi qui ai l'impression qu'il ne se peut pas avancer, moi je cause pour rien. Allez, ce type de question-là, vous avez dans l'examen, vous avez répondu. Maintenant, nous continuons. Si les élèves ont envie de participer ensemble, moi, les cas participer. Allez, on va un peu plus vite à ça. What is QR code? Allez, quelle réponse, je vais faire screenshot si jamais je t'ai envie de prendre une réponse. Hein. Voilà, question pour gagner dans l'examen. What are QR code? QR code veut dire quick response code. Et fais screenshot, garde-le dans votre computer. It's made up of a matrix filled in dark squares on a light background. Et it is ready by a it is read by a camera on a smartphone or tablet. And it uses an app to interpret the data. Et app là c'est un QR scanner. Correct? Maintenant, l'autre question. Describe two applications that use QR code. Bon, code service QR code. Et celui l'exemple, ça. Hein. Je vais regarder sa question là dans l'examen. Je vais regarder ta copie là. Ce qu'ils sont capables de faire, je fais screenshot. Je vais mettre ça dans Word. Je save les photo par photo. Je vais réviser après. Bon, code nous service QR code. Des applications. Capables de faire taxi service. Hein. Et taxi company. Ils use QR code on business card. Il donne du monde une business card, un card de visite. Et du monde là, un touriste là, il prend sa caméra, il prend son portable, sa caméra, il scanne sa QR code là. Et il est ouvert, il scanne sa QR code là, website pour sa compagnie, pour taxi, il a fini ouvert. Et automatiquement, il a fait booking pour un taxi. Sinon, restaurant, comment servir ça? Bon, restaurant, comment servir ça? Il donne toi son advertise, ok, son QR code, le bon site. Ou bien ma place et dans mon magazine, dans mon flyers et touriste là et du monde là qui fait, il scanne sa QR code et il scanne sa QR code là, il y a un link, un website, ce link ouvert et website là ouvert et client là capable de faire réservation. Est-ce qu'il y a encore le demande l'exemple de mon application? Oui, l'hôtel, réservation pour l'hôtel, capable de servir sa QR code là pour faire réservation dans l'hôtel. Okay, restaurant et taxi company, c'est pas bon travel companies, je sais ça c'est pas train, faire booking pour train, pour voyage dans le pays, je fais ça. Allez, nous bougez là, hein? Correct là? On va prendre l'autre question. Je vais vous aider à suivre. Maintenant, on prend l'autre question, la limite. Minimise ça. Vous pensez si moi là en bas il pourrait le faire de base? Non.
en là-haut. Ça m'a fait peur. La question m'a fait peur. Ok, vous connaissez comment on arrive là, dans la roue là. Voilà. Et là, nous pouvons examiner ce report aussi là. Hein. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous êtes capable de lire et examiner ce rapport qui est dit sa question là. Voilà. Examiners in jail, it is necessary to make this free. Ouais, ça va être cool. Allez, nous prenons une autre question plutôt. Bon, ça c'est examiners report, je vais faire un screenshot car il y a dit après. Voilà, examiner ce report, de sa question qui nous fait faire là. Ok? Car il y a dit, le gars vient plus comprendre, il a intérêt à se commenter là. Mais nous pouvons regarder d'après en ligne, hein? Ok? Allez, maintenant, je prends une autre question. An airport perimeter is being monitored. Ok? For pollution level. Bon, ban gaz nocif. Carbon monoxide. Bon, pas carbon dioxide, ça. COD. Et NOx, ça, on va connaître bien. Il y a un sensor pour détecter ce gaz. Et envoyer ça dans le computer. Question Lydia, describe how sensors and computers are used to warn environmentalists of high level of pollution in the air. Bon, question là est simple, enfant. Lydia, rappelle bien, ma question le monitoring et contrôle, et une étape, nous sommes capables d'écrire, une façon pour écrire. Premier, nous devons écrire le bon sensor, détecter ce gaz là. Deuxième, nous devons écrire le EDC. EDC, il peut convertir ce data qui gagne depuis sensors là. Il peut faire le vin digital, il peut envoyer dans le microprocesseur. Et le microprocesseur pour comparer ce valeur qui gagne depuis sensors là avec ce stored value. Stored value, donc vous rappelez, stored value dans le microprocesseur. Et il est là, microprocesseur pour prendre décision. Est-ce qu'il pour envoyer un signal microprocesseur pour prendre décision est-ce qu'il y a une valeur qui est dans le sensor il est trop faux ou bien il dépasse le required level ou ça il pas dépasse le required level. Ok, voilà. Et ça est dangerous ou ça n'est pas dangerous. Dans ce cas là il n'y a pas un control system, il y a un monitoring system. Qui fait il y a un monitoring system parce qu'il warn. Il n'y a pas fait un feedback. Il n'y a pas contrôle système là. Mais plutôt du warning. Warning c'est monitoring. Il n'y a pas contrôle. Contrôle il servit feedback. Et ça output là il servit comme un input. Bon. Je vais reconnecter. Et je vais finir record sur ma session là pour mes élèves suivre. J'espère que tous les élèves vont rentrer là. Laisse tous les élèves rentrer et nous réconcilier nos classes. Bon, la plupart des élèves finissent de rentrer là. Admit all. On peut share une screen pareil.
Voilà, nous continuons. Allez, tous les enfants finissent rentrer, nous continuons à expliquer. Hein. Et là, dans la révision, nous allons prendre le livre Helen Williams, s'il fait examiner ce rapport, nous allons dire. Bon, je vais dire ça, type question là, c'est monitoring, qui est par contrôle. Premier, nous allons nous prendre sensors. Deuxième, nous allons nous EDC. Troisième, nous prenons une valeur depuis le sensor, nous comparons avec stored value. Après, si jamais il est out of control, il y a en dehors range, et là, automatiquement, il vous fait un rapport, il vous print un output, un graphe, un papier, pour dire rapport de ça, si on dit ça. Et si on dit ça, c'est lui, ça va un rapport là pour guetter. S'il peut exceed the normal range, il est capable d'avoir un alarme, un warning signal, un audible, veut dire un son, il peut faire ping, 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 il peut warn. Ça, si on dit cela, of the danger. Et ben output l'ISCA aussi print le papier, il fait un graphe, un rapport qui s'y anticipe pour servir. Voilà, il y a plusieurs façons qu'il est capable de faire output. Et output, normalement, on appelle ça actuator. Ben actuator, ben output, dans ce cas-là, c'est audible. C'est-à-dire audible veut dire son, il peut mettre un son. Quand il peut out of range, il peut exceed normal range, il peut être dangerous. Ou bien, mon output, comme on dit ça, il peut print le papier, mon graph, ok, qui peut exceed normal values. Et comme tu dis, capable de prédire level of pollution dépendant, il peut prédire qui peut arriver dans le futur aussi. Par rapport à ce qui peut arriver, il prend mon valeur là, il plot mon graph, et il extend ce mon graph là, il extrapolate ce mon graph là. Il est capable d'une tendance qui il a pour arriver dans mon futur l'année, ou bien futur mois. Qui n'a pas arrivé. Est-ce que pollution paye rise ou sa pollution paye fall? On continue à guetter. Ok. Allez, nous continuons. Hein? Bon, il est correct là, il a ses zoom là, je l'ai trouvé là. Bon, bon, c'est. Maintenant, on prend le type de questions. Voilà, bon, ça c'est examination report, rapport d'examinateur qui dépensait là-dedans. Vous êtes qu'à lire, vous êtes fait des screenshots et vous êtes lire. Right. Maintenant, vous posez vos output devices. Mon output devices, vous voyez. Ok, espérez que les enfants peuvent suivre. Nous vous faisons une révision de output devices. Input, nous le faisons, nous le posons. Bon, output devices, nous avons un coup qui est arrivé. Voilà. Output devices, nous avons le printer, inkjet printer, laser printer, dot matrix printer, etc. Maintenant, on va un coup. Voilà en bas. Il y a des questions qui viennent poser. Voilà. Et je vais zoomer un petit peu là. Voilà pour vous aider à trouver les vidéos. Faites des screenshots devant votre ordinateur. Bon, voilà là les causes, l'avantage, désavantage de différentes printeuses. Quand un service fait screenshot, ça note cela bien pour autant. C'est un coup d'œil là-dedans. Vous gardez la question. Par mon note, ça c'est examinateur, chief examiner Cambridge, Helen Williams, Solus. Bon, là, les causes, laser printer, sur l'avantage et sur désavantage. Donc, comment trouver laser printer sur l'avantage? High quality printing. Et relatively inexpensive to buy. Et il servit tourneur. Et tourneur, il est capable d'imprimer bien rapide, multiple documents et very fast. Et high quality. Mais désavantage, expensive to buy the drum, fuser, etc. Et il s'est tourné un petit peu cher. Maintenant, voilà, encore un problème de la santé avec sa printer là, les health hazard, etc. Maintenant, inkjet printer, les high quality, mais les good for photo printing. Et nous avons print le papier glossy. Et les inexpensive. Mais printer là, inexpensive, mais sur long, c'est. Ouais. Et il n'est pas imprimé large volume, beaucoup moins, il n'est pas quand même imprimé. Il fait un peu doucement comparé avec laser,
et tigine par pied de carcel. Ok. Dot Matrix, bon, ben, printer qui servit pour printer ici, tu vois là. Et il fait ta passe des noisy, oui. Mais il est bon aussi parce qu'il servit ribbon. Il servit ribbon. Et normalement, si il avait dit dans une place côté. Je ne vais pas mettre le printer là. Hein? On parle chez l'écran? Vrai, diamant? Pas mettre le printer. Dans mon portable. Non, mais l'écran pas chez là. Pas recherché parce qu'il a commencé à vous dire. Il n'y a pas besoin de le portable, mon garçon. Tu vas vous trouver tout le cas de non, rien là. Tu as besoin. Comment vous faire? Bon, le délai, trouve mon écran là. Bon, on finit, moi j'ai fait une vidéo. Ah, monsieur, à ce moment-là, il y a un student answer. Attends-moi, il y a une affaire là, moi j'ai fait une vidéo YouTube, moi vous mettez. Et là, tu as une vidéo là aussi à part. Mais tu as besoin toi bien, hein, pour que tu pas suivre la classe là bien. Ok? Oui, oui, ça. Allez, ouais. Parce que tu m'as fait un peu. Allez, ouais. Tu as besoin d'un bon laptop devant toi, tu as fait screenshot. Car si tu peux me faire. Oui, oui. Allez, ouais. Maintenant, Dot Matrix Printer. Côte normalement, je vais vous dire. Même place côté, les dirty, dusty, comme un carré, tu vois là. Là, il est capable aussi de faire ça là-bas. Parce qu'il servit l'impact. Correct. Si tu veux servir laser là-bas, il jette sur l'hip-hop car servir vous abîmer. Correct. Et normalement, Dot Matrix, li, sur l'avantage, c'est de bon marché, il servit ribbon. Mais ce désavantage, il noisy. Et ce quality, il pour avec un seul couleur, monochrome. Il n'est pas bon pour photo. Voilà la bonne question qui est au cas. Maintenant, nous continuons. Je continue à expliquer. Et il y a beaucoup de questions là-dedans dans l'examen. Voilà, une cause un petit peu les imprinteurs. Une cause inkjet, une cause de Dot Matrix. Voilà Dot Matrix, comment trouver les séries pin. Ce qualité des images pas bon. Ce qualité des images pas bon. Elle est bon pour faire ici, c'est bon. Et là aussi, la base, tu as aussi 3D printers. Ouais, tu as un printer 3D. Et tu as tout décoteur, 3D cutter, tu as un actuateur, voilà. Maintenant, on a une question qui me posait et ça va me répondre. Et ça va me donner un tuyau et d'un autre pour l'examen. Hein. Correct, on zoom out un petit peu. Voilà, on zoom out, nous avons une question qui nous sort. Ok. Voilà, il y a une petite révision là aussi, là, de Kaparov. Capable de causer un petit peu le LED. Voilà. La question le LED, l'avantage. What are the advantages of LED? Comparer, tu comprends LED avec. Ok, LED sur l'avantage, les reach maximum brightness faster et les whiter light. Voilà, LED sur l'avantage, whiter light. Et light improves color definition, display much thinner, les plus mince. Ok. Et LED sur l'avantage servit moins power. Mais une autre question, tu as gagné le OLED. Ok. OLED sur l'avantage. Il est very fine. L'avantage des OLED compared to LED. Correct. Alors, on zoome bien un petit peu pour le trouver. L'avantage des OLED, ça c'est au cas d'une question. OLED sur l'avantage comparé avec LED, sa réponse. It, they allow for very thin and very flexible screen, which are very lightweight. They produce much brighter light than LED, and they do not require any form of backlight. Correct? Tandis que LCD servit backlight, and they allow for a much, much larger field of view, angle of view, le plus beau. Maintenant, regardez une question là au projecteur. Il y a deux types de projecteurs là aussi la bosse. Correct. Qui des types de projecteurs là aussi la bosse? Où il y a DLP avec LCD. Bon, DLP qui les servit? Millions of micro mirrors. Ok. Can switch on and off several thousands of times.
and creating a various shades of gray. Et ici avec color filters allow shades of gray to be converted into colors. Par contre, LCD n'est pas servi millions of mirrors. Il servi chromatic coated mirrors which reflect different wavelengths, okay, of light. Okay. Maintenant, on continue. Common error. Est-ce qu'il y a une erreur avant d'aller un petit faire? Common error, c'est avant d'aller qui va erreur qui va d'aller faire. C'est laser printer. Didier, do not use ink. The incorrect. They use ink, but which form of ink is heavy? Is heavy dry powder. Unlike inkjet, qui is heavy liquid ink. Il y a beaucoup d'élèves qui les apprentis pas servi ink. Ink. Les apprentis servi ink. Mais ils servi powdered ink. Il pas servi liquid ink. Ok? Et such statement est false. Il fait taper du point. Right? Laser printers are faster. Or dot matrix printers are low quality. Are never worth any mark. Tu pas gagné un point pour ça. C'est-à-dire laser printers are faster. Soit dot matrix lower quality. Don't say it. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu veux comparer. Tu veux dire faster than what? Et lower quality, comparer lower quality avec qui printer les lower quality. Vous allez comparer avec l'autre printer, c'est-à-dire dot matrix est faster than les printers est faster than dot matrix. C'est pas inkjet faster. Et inkjet c'est-à-dire est better than telle affaire. Mais c'est pas tu vas comparer. Tu vas pas capable inkjet faster or lower quality. Maintenant nous avons une question qui est dans l'examen. Correct? Non vite. Give, ok, sample question. Et nous pouvons être réponse ici, la ligne de nous pour là. On check un coup. Une minute. Voilà. Allez, je vais dire qu'il y a pour nous sa question là, les caractéristiques. Je fais screenshot pour vous prendre une question intéressante là. Voilà, on vous oublie là, hein, une minute. Là, sa dernière question. Ok. Je vais faire screenshot, je fais screenshot. Là. Voilà. Give one advantage and one disadvantage of laser printer. Et pour inkjet et dot matrix when compared with each other. Different advantages and disadvantages are needed in each case. Et give one application of the three types of printers. Ok, sur application. Maintenant, nous allons en bas. Nous voulons sur réponse. Voilà, ça répond. Ok, je vais zoomer un petit peu pour vous dire les deux. Ce qu'a fait screenshot, screenshot. Bon, les imprimeurs sont l'avantage. Ok? Ils impriment beaucoup de papier. Un seul coup. Large toner, large cartridge, paper très beaucoup. Les gars impriment beaucoup de papier et ce quality est better. Mais des avantages, il y a maintenance là-dedans. Vous avez des drums, ok? Vous avez des toner, il coûte cher. Inkjet, les printers sont inexpensive. Et les good quality printing for photo. Mais des avantages, l'encre sert. D'accord, et papier là, les wet, les mouillés, les imprimés là-dedans. Dot matrix, c'est l'avantage. Capable de servir dans noisy places, dirty places, dirty atmosphere, que tu as dust de casse servi. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, les noisy, et les poor quality of printing. Correct, et les monochrome, un seul couleur. Maintenant, laser normalement peut nous servir quand on a beaucoup de papier pour print, comme dans les leaflets, dans les magazines, dans les flyers, et surtout si nous faisons couler. Inkjet nous servir, qu'est-ce que ça veut dire? One off. Qui veut dire one off? Pas beaucoup. Chigin, papier. One off veut dire un papier par un papier. Là où on a pour imprimer, surtout photo et le glossy paper. Là, nous servir inkjet.
correct. Dot matrix quand le servi. Dot matrix normalement le servi pour faire un récit. Ok, récit. Et nous faire duplicates, faire double copie, carbon copie. Et là nous servi dot matrix plus. Nous prenons un label. Ce qui veut dire un label. Label c'est une étiquette qui nous colle le bon produit. Ok, un factory, flour, tu as de café. Ok, voilà nous servi dot matrix là-bas. Maintenant, nous avons l'autre question. Nous avons examiné ce report. L'examinateur, il fait une critique de sa question. Voilà, ça c'est souvent une critique. Je dis à lui, il fait un screenshot. Et je regarde la vidéo là dans YouTube pour le targeter. Maintenant, on zoom out. Correct, on zoom out. Nous avons l'autre question. Allez, ça a aussi une question intéressante. Nous avons l'autre question là et réponse, c'est le cas à prendre. Nous avons des screenshots. Describe three differences between LCD monitor qui servit backlight avec LED. Ok, LED. Or CCFL. Bon. Réponse. LED, the brighter light, whiter light et more color definition comparé avec LCD. LCD, les services backlight et backlight sa source of light il y a payé louche. Maintenant describe two applications that makes use of unique feature of OLED. Bon, OLED organic LED de nos jours il y a un peu plus commun ça coup de PC de smart watch man monte smart watch qui fait bête il vient curve l'écran avait bombé. Et surtout, OLED servit moins courant, moins batterie. Et il devient plus commun. Il devient plus la mode. Il dit à l'écurve. Ok, il bombe l'écran là. Et aussi, ça veut dire comme advertising posters. Il dit à l'oban, par nos publicités. L'oban colonne. Il devient curve surface. Et dans l'autre pays, dans underground metro station, voilà. Le cavard gagne la publicité. Même par nos publicités. OLED. Bon voilà, nous discutons de sa question là. Il y a une question qui est au cas dans l'examen. Et nous avons examiné ce commentaire là. Fais screenshot l'IALI pour bien comprendre l'examinateur qui me pensait là. C'est intéressant, mais nous ne pouvons pas étendre tout ici. On va faire vidéo là pour être capable de stop, de pause et de régler. Bon maintenant, il y a encore un exam tips qui examinateur a donné. Voilà. Et là, on prend une autre question. Voilà. Which computer terms is being described here? OK. Voilà, ça est intéressant. Là, on pose des questions maintenant. Alright, c'est un coup d'œil, fait un screenshot. Travail, il me pose des questions. Ça, c'est exam style. Je vais garder sa question à l'examen. On va qui des élèves online. On va poser sa question. On va poser sa ok. Bon. Which computer term is being described here? Qui va un computer term de describe là? Allez, lire l'île, travaille au cours d'une dizaine de minutes. Fais un screenshot, c'est évident. C'est une question l'examen. Toujours mon petit arrivé dans le livre. Hélène William, chief examiner. Ok, nous corrigeons. Premier, splitting. Attends, nous guettons un coup. Voilà. Réponse à l'île ici. Là. Voilà. Ça, c'est souvent une réponse.
Première question. Splitting up a solid object into a number of very thin slides. Mon azélé, mon coin répond. The screen is pause. Je me dépend pause. Qui le dira? The screen is pause. Stop sharing. Bon, qui n'arrive pas l'écran, une pause. On va y aller, comprendre qui n'arrive. Ah, yes, it froze, it frozen. C'était du bon là, mon vrai effet sharing. Check un peu si du bon là, dire. L'écran là, c'est freeze, mon quoi. Hein. Now good. Ok. Bon, fais-moi connaître. Allez, dis bon là, depuis là, je vais suivre. Yes, now good. Ok. Bon, on va essayer d'équiper suivre. Nous continuons le travail. Splitting up a solid object into a number of thin slices. Réponse c'est thermographie. L'autre question maintenant. Machine readable code that made machine readable code made up of an array of dark and light squares is often used to store URL. Important for advertising information. Bon, ça tous les connaît, c'est QR code. Ouais, QR code. Voilà, QR code. A device which converts sound into electrical signal or microphone. A technology that is used to identify if a person is speaking. Bon, ça c'est voice recognition. A device that sends real world to a computer. It often requires use of EDC for the computer to process the data. Voilà, ça c'est sensors. Maintenant là, vous avez shade. Vous avez shade ça. Bon, côté 0, il pourrait être blanc. Et côté N, il pourrait être black. Ça vous fait une black là, et là. Ça black. Et là, ça le là vous fait une black. Comme ça. Correct? 0 veut dire white. Et N veut dire black. Et réponse là. Voilà, sa réponse. Là. Moi, je zoome bien un petit peu pour vous les trouver. Voilà. Pour shade, dans l'examen, vous avez une question comme ça pour shade. Parce que je ne comprends. Allez, nous continuons. On arrive depuis là. Name and describe one application that uses this barcode technology. Allez, QR code là, code PCV ici. Ça barcode technologie. La barcode, c'est pas QR code. Ça barcode là, code service. Bon, comment étudier t'es là? Automatic stock control dans le supermarché. Pour read an item. Ok? Soit dans la librairie. Library system. Vous pouvez trouver la library system. Quand il y a un barcode dans mon livre. L'autre question maintenant. Name what is meant by the term sample rate when referring to DAC. Bon, sample rate, c'est number of samples of data que vous pouvez prendre per unit time.
Okay. The read, sample read, with the read at which combien d'états on peut prendre. Ok, combien d'états on peut prendre depuis analog signal pour faire living digital. On appelle ça sample read. Sample read, c'est combien d'états on peut prendre dans une unit time. Read with a unit time. Combien d'états on peut prendre dans une unit time par seconde. Sample read. Read at which sample of data is taken. À tes unit time. Sa question là intéressant. Music CD is produced where each piece of music is sampled. Bon, il y a une dollar. Il y a une sample 44,100 secondes times per second. Il y a un second qui peut faire 44,100. Et bon, je vous ai une formule pour calculer un file size pour son, pour calculer le file size, on va voir si mon cas écrit à dire file size is equal to quoi, il y a un petit cas écrit à dire ok, formule pour calculer le file size, ok, file mesurement. Ok, fine. Oui, allô. Ah, ouais. Non, pas quoi. Non. Allez, allez. Ok. Ouais, allez, allez. Bon, file size. J'arrive pas avec toi. File size, ce formule, ou son, il est égal à quoi? Sample rate, et de rate, sample rate multiplié par sample rate, veut dire combien de sample on peut prendre par seconde, multiplié par sample frequency, sample resolution, resolution, sample resolution, et fois. Sample rate, ni mesure en hertz. Ok, combien de samples il peut prendre en seconde. Résolution, mesure en bits. Et bien, sample rate, c'est de la mesure en hertz. Hz. Correct. Sample resolution, mesuré en bits. Ok, bits. Et multiplié par. Length of the sound, length of sound, et length of sound mesuré en seconde, ok, et multiplié par track, number of tracks, number of tracks, ok, bon, on met le number of tracks. Le nombre de tracks, ça, tu peux aller dans le planning. Hein. Si le cas diminue sur ce size, tu peux te gagner dans celle-là. Voilà. Et le file size. File size, c'est sample rate fois sample resolution fois number of tracks. Si le mono track, il vaut N. N track, c'est mono track N. Ça, c'est formule pour file size. Maintenant, nous retournons avec nos questions d'examen. Voilà, et nous retournons avec questions d'examen. Qui dit des autres caractéristiques. Il dit des autres comme ça. How many bytes? Bon, bytes, ce n'est pas dire bits, hein. Bytes. Je veux dire, vous avez divisé par 8 pour faire ça bit là, une byte. How many bytes per second or sample? Correct. Et réponse, si vous servez sa formule là. C'est sample rate multiplié par combien de track ligne sample rate, voilà, ce sample rate il nous doit 44,100 multiplié par sample resolution 30D, voilà, sample rate multiplié par sample resolution, et est-ce qu'il nous doit ce length of time pour combien de temps il nous doit
Sample. Per second. Ok. Non, il y a une affaire là. Il y a stéréo. Stéréo veut dire quoi? Two tracks. Correct? Il dit track. Voilà. Il dit si nous retournons avec nos questions, nous utilisons faire file size et file size. Nous zoomons un peu de vous trouver bien. Et file size. Je peux résoudre comment question là. Il est égal à sample rate et 44 100. Et 44 100 multiplié par. Il est bon là 44 100? Oui, 44 100. Ok. Continuez à expliquer. Et me suivez par ce sample resolution 32 bits multiplié par ce length of sound en second et multiplié par ce track. Il y a des qui fait track, il y a des stéréo, il y a des tracks. Voilà. Maintenant, ça tout ça réponse là, il y a bits. Parce qu'il mesure bits. Mais il ne demande pas en bits, il demande des bytes. Il y a tout ça réponse là, type bits. Maintenant, si on a envie de gagner sa réponse là en bytes, on copie lui là. Voilà. On fait arriver une byte. Ou bien divise par 8. Parce qu'il y a un byte, il y a 8 bits. Division par 8. Ok? Voilà. On fait la question là. Voilà. Calculate how many bytes per second is sample. Voilà. Là, il y a en bits. Et bien. La réponse à une de nous en bits par seconde et les diviser par 8, les gars, réponse byte par seconde. J'espère que les enfants vont suivre. Mais presque arrive la fin de la classe là, j'espère que je vais suivre. Continuez de mettre en phase de sa calculation. Voilà. Correct. Maintenant, on prend l'autre question. How many kilobytes per second a sample? Bon, c'est un byte, si tu fais 20 kilobytes, tu peux facilement faire ça. Tu redivise par sa phase là, tu divises par 1024. Bon, je ne vais pas encore vous donner une deuxième session de leçon parce que je vais fatiguer. Je vais vous situer l'un de classe. Bon, ça, si on a envie de rediviser par 8, de rediviser par 1024, il faut 20 kilobytes. Ok, on va finir la session là bientôt. Là. Voilà. Et là, c'est une petite armée d'un petit bracket là, d'être plus joli. Oui, oui, il y en a plus encore. Je vais vous faire 25 minutes. Hein? Allez, correct. Allez, allez, correct. Allez, allez. Ok, allez, bye. Voilà, nous continuons, nous expliquons sa question là, comment nous faire 8 bits, 8 bytes et 8 kilobytes. Maintenant, ma question là est intéressante, si je travaille en cours là. Voilà. Calculate how many memory is needed to store a 4 minute music track. Ok.
Bon, là, il faisait 4 minutes, music track. Bon, pour faire ça, facile. T'es là, tu prends 1 seconde. Maintenant, pour 4 minutes. Ok. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes veut dire 4 fois 60. Il provine. Ok. 4 fois 60. 4 minutes, il provine autant de secondes. 4 fois 60 fait 320, non? 320 secondes. Ok, je vais mettre un côté. Ok, 60 fois 4 fait. Non, 240. 240 secondes. Ouais. Et sur file size qui peut venir là quand qu'il y a une demande réponse il y a un peu de réponse à qu'il y a une dire how many calculate comme mémoire besoin je ne vais pas dire qui vous donne réponse hein. Calculate how much memory is needed to store 4 minutes track ce qui peut être dire en kilobytes le bête. Ouais, pour penser ce qu'il te faisait faire, tu as besoin de réponse à kilobytes. Je vais te copier ça. Je vais mettre là. Ça a 1 seconde là pour changer. C'était 240 secondes. Voilà. En kilobytes. Bon, on répond ça. Les réponses données par Hélène William. Voilà, Lila. Gardez une réponse à kilobytes ou bien mégabytes. S'il y a envie de lire mégabytes, il redivise les par. S'il y a envie de lire mégabytes, il redivise les par 1024 en cours. Et dire, il fait ça multiplié par 1024 en cours. C'est la redivision par 1024, devine mégabytes. On se présente les gens suivre. Bon, on est presque arrivé à la fin, par ça. Dernière partie. Et je vous dirai quand vous situez dans l'autre classe. Calculate how many 4 music, music tracks could be stored. Calculate how many 4 minute music tracks can be stored on a CD. Bon, un CD il y en a 800 mégabytes. Et celle-là, 800 mégabytes. C'est-à-dire 800 divisé par. T'es là combien tu veux? T'es là réponse 80 encore. 80. Voilà. Mais 800 divisé par 80, donc il y a 10 CD. Ouais. Bon. On arrive à la fin de sa classe-là. Tiens, il y a une autre question à propos de ça. Pourquoi vous gagnez un prendre en ligne? Vous pouvez donner comme homework, faire screenshot. Voilà. Sa question, le OLED. Tu as true or false. Tu as gagné ça pour l'examen. Et describe how OLED are generated. On va gagner un discuté. On arrive à la fin. Zoom pour terminer là. Et ça, souvent une réponse. Voilà. Correct. Bon, vous pouvez close ce meeting là, vous pouvez faire sa vidéo là sur YouTube et vous allez target après la classe, vous pouvez uploader.